spiritual aspect, l'aspect spirituel and the musical aspect, l'aspect musical. What I as a human being can see is just musical aspect. Et ce que moi, en tant qu'être humain, peut percevoir ou bien peut voir, c'est l'aspect humain. But God sees both. Mais Dieu qui perçoit les deux aspects en même temps, spirituel et humain. The video is turned on. Do you see? Yes, really, yes, I see the red. I see the red. My eyes is good. Now we will have time for question and answer. À la fin, nous allons accorder un peu de temps pour les questions-réponses. I heard you have lots of questions. Il m'est parvenu qu'il y a tellement de questions que certains ont à poser. This is a good sign. Et ça, c'est un bon signe. If you don't have any question, I will be very sad. Parce que si vous m'écoutez et à la fin vous n'avez aucune question, je serai un peu triste. Amen. Amen. But before we start, question and answer session, I just need to teach a little bit more. Avant que nous arrivions à la session des questions de fond, j'aimerais avancer un peu plus encore avec l'enseignement. Look at the page 28. À la page, donc nous allons à la page 28. And look at the number 4. Et au point numéro 4. So repeat after me. Alors répétez après moi. This is also the fourth very important Hebrew word that you need to learn. C'est ici le quatrième mot hébreu très important que nous avons besoin de connaître. Repeat after me, Jamar. Alors répétez après moi, Jamar. 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 Okay. So you forget everything about Barak, okay? Alors, oubliez toute chose maintenant au sujet de Barak. Amen. You forgot everything, right? Oubliez tout ce qui concerne le mot Barak qu'on a appris auparavant. And you forgot everything about. Are you asking a question? Yeah. Oh, I didn't know that. No. This is I'm just saying. You forgot everything about Barak. I'm just kidding. Ah, ok. En fait, je plaisante. I need your response. Parce que j'avais besoin de voir votre réponse, de voir que vous êtes présent. Alors j'ai dit, vous avez tout oublié au sujet du mot Barak. Vous avez tout oublié. Alléluia. Good. Now, Jamar has also very special meaning. Alors, le mot Jamar a un sens, une signification très spéciale. This also, sing praise, meaning to sing praise. Et sa première signification, c'est faire de chanter les chants de louange. But it has also another meaning, to play musical instrument. Et en plus de chanter des chants de louange, il veut dire aussi jouer des instruments à musique. So originally, it means prune or pick the string. Okay. Ting. Okay. Yeah. Okay. En fait, la façon dont c'est exprimé, c'est comme jouer d'un instrument à cordes, produire du son à partir d'un instrument à cordes. So it has, let's say, two meanings. Whether it can mean sing praise. Alors disons que ce mot Jamar comprend deux significations. Le premier, c'est chanter des chants de louange. Play musical instruments. Ou alors jouer d'un instrument de musique. Actually, between them, to play musical instrument is stronger, I think. Et le sens, son sens de jouer d'un instrument en musique est plus important que l'autre, faire de la louange. Let's read Judges 5, verse 3. Alors nous lirons dans Juges chapitre 5 verset 3 qui est déjà dans le manuel. 1, 2, 3. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok. Look at this Bible verse. Here it says, je chanterai, and then again, je chanterai. So three times, je chanterai. Alors,
et je chanterai dans ce verset. So it looks like it is the three times repetition. Donc ça semble à une répétition, une triple répétition. But it's not in the Hebrew Bible. Mais en hébreu, on ne trouve pas cette triple répétition. Okay, two times I will sing to the Lord. The word employed this time here is shir. Shir. Can you tell me shir? Repeat after me. Shir. Shir. Yeah, shir. Shir. We will get to that later. But shir is somehow similar to chanter, right? D'une certaine manière, shir aussi a le sens de chanter. Yeah, the same meaning, yeah? Sing praise. La seule signification, la même signification donc de la louange. But now the third chanter is a different Hebrew word. Mais le troisième mot qui a été traduit également par je chanterai ici dans le verset que nous avons lu est un mot différent de shir qui a été les deux premières fois. As you see here, this is jamar. Et il s'agit du mot jamar dans le texte hébreu. So look at the Bible. So isn't it wonderful to see that the Bible uses very specific words to express the specific meaning. C'est étonnant de voir comment la Bible, en tout cas dans sa version hébraïque, utilise différents mots pour faire ressortir certaines spécificités. You might think this is a three times repetition, but it's not. Mais en français, la traduction nous fait croire que c'est une triple répétition du même mot, mais dans le texte hébraïque, ce n'est pas le même mot. So, what I see here is actually two times sing to God, it's good, they're very important. Donc, les deux premières fois, c'est un mot qui veut dire chanter des louanges à Dieu, c'est très bien. And in one time, play instrument, musical instrument to God. Mais la troisième fois, normalement, c'est un verbe en hébreu qui veut dire jouer des instruments de musique à Dieu. Amen. Amen. I think this is more correct than just three times sing. Et je pense que c'est plus correct si on avait traduit la troisième fois là-bas. Deux fois je chanterai et ensuite je jouerai des instruments plutôt que de traduire trois fois chanter. If God wants to just emphasize singing, then maybe he would have used three times the same verb. Si Dieu avait voulu mettre l'accent sur le fait de chanter, il aurait pu utiliser aux trois reprises le même verbe chanter. But why two times the same verb and the last time is a different verb? Mais pourquoi est-ce que pour Dieu dans le texte hébraïque, les deux premières fois c'est chanter avec un verbe, un même verbe, et la troisième fois c'est un verbe différent qui a été utilisé? Amen. Amen. So there must be a reason. Alors, il doit y avoir une raison à cela. Ah, leave it. Here, God wants to give some different message. On peut dire, ah, donc Dieu avait un message différent pour passer ici. Now, as a musician, we understand, easily understand, okay, if there is only voice, then, you know, sometimes it's very hard to continue to sing. Alors, en tant que musicien, on sait très bien que si on se contente uniquement de la voix, ça peut être difficile à un moment donné de continuer et perpétuellement à chanter. But with keyboard, the beautiful harmony on the keyboard, we are so blessed. Mais avec une belle harmonie sur le piano, ça nous fait du bien, on se sent, on est béni. And then this ensemble, okay, ensemble of voice and musical instruments, that makes music more beautiful. Et donc cet ensemble amenant, mettant ensemble les voix et les instruments, ça constitue quelque chose de plus beau. So in that way you can understand this. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre ce verset ici. Dieu met ensemble les voix et l'instrument. So from this we know that, wow, to play musical instrument for the glory of God is very important. Et à partir du texte biblique, nous pouvons prendre conscience de l'importance du fait de jouer d'un instrument de musique à l'honneur de Dieu. And we are confirmed by also Psalm 150. Et nous sommes confrontés en cela également lorsque nous faisons référence au psaume 150. Ça nous confirme cela. Yeah, ça nous confirme cette vérité
de l'importance de jouer des instruments à musique pour Dieu lorsque nous nous référons également au psaume 150. So now, who are the instrumentalists? Qui sont les instrumentalistes ici parmi nous? Qui sont ceux qui jouent des instruments? Who play musical instrument? Any musical instrument, really. N'importe quel instrument de musique. Et la corde vocale aussi est un instrument. So when I say musical instrument, then something that you have to buy. Okay? Your voice you don't have to buy. Quand un instrument de musique, c'est quelque chose que vous devez acheter à part. Mais les cordes vocales, on les achète. Alors levez vos mains sur les musiciens. Instrumental player, instrumental player. Les musiciens, ceux qui jouent de l'instrument. So all the vocalists. No, just keep. Donc restez, gardez les mains en l'air. All the vocalists. Why don't you give applause alors, to this guy? Tous ceux qui sont les chanteurs qui expressent des vocales, donnez donc une acclamation à tous ces musiciens. Okay, good. So their job. Okay, now you can. Vous pouvez maintenant baisser les mains. Ça risque de figer en voilà. Il faut baisser la main de la face. Their job is not easy. Donc ce travail qu'on fait, c'est pas un travail facile. Yeah, it takes lots of practice, lots of corrections and study. Ça requiert énormément de temps, d'exercice, de pratique, de correction, d'études. Did I told you that my wife is a pianist? Yes. So she studied piano maybe some 2 decades or 2 or 3 decades. Alors, comme je vous l'avais déjà annoncé, mon épouse est pianiste. Elle a appris à jouer au piano pendant au moins 20 ans. She began piano lesson from early childhood. Elle a commencé à jouer du piano dès son bas âge. And then got into the art high school. Et elle a rejoint un groupe artistique. Art high school means secondary. Et jusqu'à ce qu'elle aille à l'école secondaire. And then she got into the Seoul National University Music College. Et ensuite elle est allée à l'université où elle a continué encore à étudier de la musique, le piano. And then after graduation, she came to Vienna, Austria, to pursue, you know, the diploma. So she spent maybe 5-6 years there. Et après son passage à l'université chez elle, elle est allée à Vienne, où elle a encore passé 5 années à l'université là-bas. Toujours en train d'apprendre le piano. And then she came to Korea and she married me. Et ensuite, elle est rentrée en Corée et elle a trouvé le plus merveilleux garçon à épouser. And then I had to go to Vienna again, Vienna to study music composition, and for her, this is the second time. Et donc, après notre mariage, moi j'ai dû aller aussi en Autriche, à Vienne en Autriche, pour apprendre le piano. Et elle y est venue avec moi encore pour une seconde fois. So while I was learning, I was studying music composition, she studied this time pipe organ. Quand nous sommes venus ensemble, pendant que moi j'apprenais les compositions musicales, elle s'est formée dans... Comment ça s'appelle? Pipe organ. L'orgue. Oui. Yeah, l'orgue. Have you ever seen the l'orgue? It's been lots of... Long pipe, very tall pipe. L'orgue, c'est cet instrument où on joue sur un clavier aussi, mais avec des longs tuyaux, des longs tubes qui donnent un son assez particulier. And then she taught piano at some colleges in Korea for maybe 8 years. Et ensuite, une fois de retour en Corée, elle a enseigné, formé dans une école de musique. Elle a enseigné donc le piano pendant environ 8 ans. And then God called us to theological study, so we went to the United States. Et ensuite Dieu nous a appelés, nous avons senti l'appel de Dieu et nous sommes allés aux États-Unis pour la formation théologique. And there she pursued a doctoral degree in church music piano. Et pendant que nous étions là-bas, elle a poursuivi
des études au niveau doctoral en ce qui concerne la musique dans l'église et dans le domaine du piano. So she finishes all this doctorate degree from all the doctorate degree when she was about 55 years old. Et donc elle a achevé tout ce qui concerne son doctorat en matière donc de musique avec le piano quand elle avait atteint environ 55 ans. My goodness, it took too long. Ça a pris trop de temps selon moi. But, and now she is teaching piano to Cambodian children. Et en ce moment, elle enseigne le piano à des enfants cambodgiens. So I know very well that, you know, it takes a lot of hours and time to practice piano or keyboard or any musical instrument. Et donc, je sais que cela prend beaucoup de temps et d'énergie pour se former sur les instruments tels que le piano ou les tout autres instruments. She used to practice in Vienna, she used to practice piano 8 hours a day. Et pendant qu'on est au Vietnam? Vienna, Austria, Vienna. Et pendant qu'elle était en formation à Vienne, elle devait s'exercer environ 8 heures par jour sur le piano. Every day. Chaque jour, 8 heures assis sur le piano. So I know it is a hard task. Je sais que c'est une tâche difficile. But hein? If that is the way to glorify God, we have to do that. Mais si c'est le seul moyen par lequel nous pouvons glorifier Dieu, alors il nous faut le faire. Il faut nous y astreindre. And as she studied, her goal is to evangelize children as she gave piano lessons. Et donc, elle-même, pendant qu'elle étudiait, elle avait à l'arrière-plan ce désir d'évangéliser les enfants en les formant dans le domaine de la musique et en particulier en les formant au piano. Yesterday, you saw a Cambodian girl who performed the piano. Et hier, je vous ai projeté une jeune fille cambodgienne qui jouait donc du piano. After she won grand prize, et celle qui avait été la gagnante du Grand Prix à un de nos festivals, she is now Christian. Et cette enfant cambodgienne, d'arrière-plan bouddhiste, est aujourd'hui chrétienne. Alléluia. Amen. She goes to the same church as we. Et elle fréquente la même église que nous au Cambodge. And she is praying for her parents. Et elle prie pour la conversion de ses parents. Alléluia. Amen. So now, look at this. So the word jamar is very important. Alors, le mot jamar est très important. To understand how important is also musical instrument. Pour nous conduire à la compréhension de l'importance des instruments de musique pour Dieu. Unfortunately, the reformer like John Calvin, you know very well, okay? Malheureusement, un des réformateurs comme Jean Calvin, que vous devez connaître certainement, never recognized the importance of musical instruments. Il n'a jamais reconnu l'importance des instruments de musique. So, unfortunately, he abandoned lots of musical instruments from the church. Alors, malheureusement, il a abandonné beaucoup d'instruments de musique qui auraient pu être utiles à l'église. John Calvin even prohibited instrumental music in the church. Et ce réformateur est même allé au point de proscrire, d'interdire les instruments à l'église. It is a kind of unfortunate story. Et ça, c'est une histoire un peu malheureuse. Why? Pourquoi? So everyone is not perfect. Ça nous montre que nous ne sommes pas tous parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Even as a big man, as Calvin, as he cannot be a perfect one. Même un grand réformateur comme Jean Calvin ne pourrait pas être quelqu'un de parfait. So I think, you know, he needs to learn praise seminar. Et je pense qu'il aurait eu besoin d'être assis avec nous ici dans un séminaire de louange comme celui-là. He needs to learn Senela. Il devrait aller au Senela, malheureusement. Hallelujah. Hallelujah. Okay, and
we don't have time much, so but just remember this. And the next one is a Shabbat. Alors le prochain mot. There's one more thing that I want to share with you. You remember still 1 Chronicles 23 verse 5, okay? Vous vous souvenez donc de 1 Chronique 23 verset 5. So that is the middle of 29. Au milieu de la page 29 à droite. Here we see 4,000 praise musicians. Et ici il est fait mention des 4,000 chargés de la louange à l'Éternel. 4,000 chants. But here, the information says, with the instruments which David made for giving praise. Et il est mentionné là-bas en plus, avec les instruments que j'ai fait. Donc c'est David qui parle que David a fait pour célébrer Dieu. Wow! What is the information? Alors quelle information nous pouvons tirer de ce texte? David, he is a spirit-filled musician in Israel. David est un musicien rempli de l'Esprit de Dieu en Israël. He made musical instruments to praise God. Et il a conçu des instruments de musique pour servir à la louange de Dieu. I assume he made a new instrument. Et je présume qu'il a eu à en créer de nouveaux qui n'existaient pas. There were already lots of musical instruments. Il existait déjà pas mal d'instruments de musique. So the meaning of this Bible verse is that David somehow invented new musical instruments. Et une des significations que nous tirons de ce texte, c'est que d'une façon ou d'une autre, David a inventé des instruments de musique. Why he had to make a new type of instrument? Pourquoi avait-il besoin d'inventer de nouveaux types d'instruments? My explanation is this. Voici mon explication. Because he is the one who knew very well about the glory of God. Il est quelqu'un qui avait une bonne connaissance de la gloire de Dieu. He is the one who wrote that God, you dwell in the praises of Israel. Il est celui donc qui a écrit, oh Dieu, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Is there anyone who saw God? Who is dwelling in the praises of Israel and raising his hand? Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu Dieu clairement en train de siéger au milieu de la louange de son peuple? Levez la main. I never saw God that way. Moi, je n'ai jamais vu Dieu comme ça clairement descendre et siéger. But I assume David is the only one who saw the glory of God. Who dwells in the praises of Israel. Je présume que David a été la seule personne à voir clairement la gloire de Dieu qui apparaît et qui préside et siège au milieu de la louange de son peuple. And as he saw the musical instrument available at that time, he was not satisfied. Et au vu des instruments de musique existants à son époque, il n'était pas satisfait. Hey, what's this? What I saw in God's glory is amazing. I want to praise God with that amount of glory. Alors il s'est dit, mais en regardant les instruments existants, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce que moi j'ai pu percevoir dans la gloire de Dieu est tellement glorieux, tellement grand que j'aimerais être en mesure de le glorifier à la dimension de ce que j'ai pu voir. And oh, maybe God gave him wisdom. Et alors certainement que cela a touché le cœur de Dieu qui l'a doté de la sagesse nécessaire. And with enthusiasm, et alors avec enthousiasme, he began to design a new instrument that sounds far better than existing instruments. Donc avec enthousiasme et la sagesse de Dieu, il a commencé à concevoir de nouveaux instruments qui ont certainement rendu des sons, des sonorités beaucoup plus merveilleuses que tout ce qui existait. Alléluia. Alléluia.
I really want you to do that way. Et j'aimerais que vous puissiez fonctionner de cette façon. So as you praise God, okay, you can only praise God to the extent that you experience God's glory. Alors pendant lorsque vous louez Dieu, vous ne pourrez que arriver à la hauteur de la révélation de sa gloire que vous avez pu avoir. Whether it is from the Bible or whether it is from your daily experience, but now let's say you experience God's glory this much, then your praise will reveal God's glory this much. Alors ça peut être au travers de vos temps d'étude de la parole de Dieu, les révélations reçues là, ou dans votre expérience personnelle, dans vos temps avec Dieu. Mais admettons que vous ayez reçu la révélation de Dieu à ce niveau, à cette hauteur, alors la gloire de Dieu que vous serez en mesure de manifester dans votre louange ne pourra pas dépasser cette hauteur de révélation de sa gloire dont vous avez reçu. And my experience is that when I understand, when I understood, you know, something very special from the Bible, then I experienced God's glory this much, and I could glorify God this much. Alors, de mon expérience, j'ai vu que lorsque je perçois la révélation de Dieu, de sa gloire à cette hauteur, alors cela m'amène à pouvoir le louer, le glorifier jusqu'à cette hauteur-là. I'm saying this, I'm very sure that your praise ministry from now is quite different than past experience. Je dis cela parce que je suis sûr et certain que le niveau que vous avez atteint aujourd'hui dans votre louange et adoration est complètement différent du niveau où il était il y a peut-être 5 ou 10 ans en arrière. Amen. Amen. Because you experienced God's glory in the Bible. Parce que vous expérimentez la gloire de Dieu dans les Saintes Écritures. And you have more knowledge and more wisdom. Et cela accroît votre connaissance et votre sagesse. And your praise ministry will reveal all that you know from the Bible. Et cela se reflète dans votre ministère de louange et d'adoration, la hauteur de la révélation que vous avez pu avoir. Alléluia. Amen. So whenever you have time, the church, actually, the whole church need to pray for musical instrument, instrumental players, and also vocalists as well. Et en réalité, toute l'Église devrait consacrer du temps dans la prière pour intercéder pour les instrumentistes, les musiciens, et également pour les vocalistes. And number five, just we want to do a little bit about number five, Shabbat. Nous voulons nous présenter sur le mot Shabbat, qui est le numéro 5 au milieu de la page 29. Shabbat, the meaning of this actually, praise God in a loud voice. Donc Shabbat signifie louer Dieu à haute voix. And congratulate. Et le féliciter. Like a celebration. Okay. Comme dans une célébration. Bien. And then number six is room. Can you repeat after me, room? Alors répétez avec moi ce qu'il a dit. Room. Room. Ah, le numéro 6. Le mot numéro 6 en bas. Room means lift up. Room signifie élever. Yeah, elevate. So praise is to elevate God's name. Donc, louer Dieu, c'est élever le nom de Dieu. And be very careful, you know, when you elevate His name, your status will be lower, okay? So that is important. Alors, soyez très prudents ici, parce que au moment où nous l'élevons lui, nous sommes dans un état plus bas. How can we elevate His name? Comment pouvons-nous élever son nom? And we kneel down. Alors, c'est tout en nous abaissant, prosternant. So your heart, it is your heart issue. Okay? Alors, il s'agit de l'état ou bien de l'attitude ou la disposition de nos cœurs. Yeah. Okay. So your heart is more humble, then God will be elevated more. Alors, au fur et à mesure que ton cœur à toi s'humilie, devient humble, Dieu va être élevé.
And then number 7 is Shiv. Shiv is actually, we already mentioned, song, sing a song. Et donc le numéro 7 à la page suivante, c'est le mot Shiv que j'avais mentionné tantôt. So there are lots of things to teach now, but we go to number 30, page 33. Alors, il y a tellement de choses à enseigner, mais comme le temps nous manque, nous allons sauter des parties que vous pourrez revoir après. Nous irons à la page 33. Ah, here we have a picture. Alors ici, nous avons une belle image. Do you like that picture? Aimez-vous cette image que vous voyez du cerveau, oui, oui. What is this? C'est quoi ça? Oh, pardon, j'ai dit. Vous le savez certainement. Alors qu'est-ce que vous voyez? It's you actually. It's you. En fait, c'est vous-même que vous voyez ça. It's me and you. C'est vous et moi. You look like beautiful, okay? N'êtes-vous pas si joli, si beau? But inside we have this, okay? Mais à l'intérieur de la beauté que vous êtes, nous avons ceci. This might be the most important part in our body. Et ceci pourrait être l'organe le plus important de notre corps, de notre être. Yeah. Now, look at this. Then you will see that there is a separation. Alors vous pouvez remarquer qu'il y a une séparation. Do you see the picture? Est-ce que vous voyez l'image? Okay. So it is called then the one half of this, okay? Donc la moitié de is called hemisphere. Chaque moitié est appelée hémisphère. Okay. Yes. You have two hemispheres, right? Nous avons deux hémisphères. Okay. The left one and right one. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. And there, those two brain section have the different function. Et ces deux hémisphères distincts ont également des fonctions distinctes. Yeah, I don't teach the whole thing. Alors, je n'ai pas le temps d'enseigner tout ce que cela comporte. And also, I don't know much. Et bien sûr, moi aussi, je n'ai pas une parfaite maîtrise de tout cela. I'm not a brain surgeon. Je ne suis pas un chirurgien du cerveau. Je ne sais pas comment les appeler. But here, hein? Je ne suis pas un neurochirurgien. Yeah, neurosurgeon. But here I have I brought some very important information about our brain. Alors mais néanmoins ici je vous ai mis des informations très importantes au sujet de notre cerveau. Okay. Here it says that our music, okay, sensitivity or ability to music is in the right hemisphere of your brain. Alors, ce qui est dit, c'est que nos capacités, nos aptitudes musicales sont localisées dans l'hémisphère droit. And our ability to, for the language, okay, language, verbal ability, that is located in your left brain. Et que nos aptitudes verbales, language. Nos facultés ou nos aptitudes de langage sont localisées dans l'hémisphère gauche. Yeah. So, the fact that I speak in English means that my left brain is very busy now. Alors, pendant que je parle en anglais, cela signifie que l'hémisphère sud gauche de mon cerveau est très très occupé en ce moment. But if I sing. Chante par combien de le faire. Okay. In that case, my right brain is busy. Et en ce moment-là, mon hémisphère droit aussi devient occupé. Okay, now touch your left brain now. Mais touchez votre hémisphère gauche. Yeah. Touch your left brain with your right hand. Touchez votre hémisphère gauche avec votre main droite. Okay, yeah. And touch your right brain with your left hand. Touchez donc l'hémisphère droite avec la main gauche. And do both at the same time. Et faites les deux en même temps comme les gens ont déjà fait. Wow, you look like awful. Alors là, vous avez
l'air d'être des orphelins. Now listen carefully. Alors écoutez attentivement. Why important it is this knowledge? Pourquoi est-ce que acquérir une telle connaissance sur le cerveau est important? Now, if I say to God, Lord, I love you. Lord, I thank you. Lorsque si je dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remercie. Just speak to God that way. Lord, I love you. So, Lord, I thank you. Si vous me dites à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remercie. Okay. Even as you do with your whole heart, actually, only your left brain is engaged. Même si vous le faites de tout votre cœur, c'est seulement l'hémisphère gauche qui est mise en contribution. But if you sing, as I said, okay, just sing melody of Amazing Grace. Okay, let's begin. Alors, on peut essayer de chanter ou chantonner la mélodie de Amazing Grace ensemble. Nous offrir à 100% à la louange de notre Dieu. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Give God glory. Now we want to start question and answer session. Maintenant, nous voulons donc laisser la place pour les questions. La session des questions. The first question I've heard is this. La première question qui m'est parvenue est celle-ci. Is it possible that praise musicians or praise ministers to play secular music? Est-il possible pour des musiciens ou instrumentistes chrétiens de jouer aussi de la musique séculière, profane? I heard from my brother Luke. Alors, le frère Luke m'a posé cette question. Il est très préoccupé par ça. Il a l'air. So, this is not an easy question. Ce n'est pas une question facile en réalité. There could be different opinions from pastors and professors. Okay? Il peut y avoir différentes opinions, différentes réponses selon les pasteurs et les théologiens. I could safely say this. Je pourrais dire de manière sûre. We go start from this. There are, as you know, there are two kinds of praise ministry. Alors, comme vous le savez déjà, il y a deux types de ministère de louange. Professional music ministry. Le niveau professionnel. And then layman's praise et ministry. Et le niveau comment dire? For everybody. Laïque. Layman. Layman, what is it? Layman is just normal Christian. Pour un chrétien normal comme moi. Not a minister, okay? Yeah. Not minister, but a layman. Pour les laïcs. Pas quelqu'un qui est dans le ministère, qui est un du clergé, mais les laïcs. So I think everybody is praise ministry. Alors pour moi, je pense que tout chrétien dans l'église est impliqué dans le ministère de louange, puisque pour Dieu. Who is not professional, okay? Et c'est pas le niveau professionnel. There is a professional music ministry, as we saw in 1 Chronicles chapter 9, verse 33. Mais il existe un niveau professionnel de ministère de louange et d'adoration, comme nous l'avons vu dans 1 Chronicles, dans 1 Chronique, chapter 9, verse 33. Chapitre 9, verset 33. So there were a Levi, the head of Levi, who are professional musicians. Donc, où on parle des chefs et lévites qui sont des professionnels consacrés à ce ministère. Now think this way, professional, like the head of Levi, who day and night sang in a chamber, okay, for alors, the glory of God. Pensez à ces chefs des lévites qui jour et nuit sont dans ces chambres. So they don't need to do anything except praising God. Et leur tâche consiste à ne rien faire d'autre excepté louer et adorer Dieu par leur musique. Where do you have this Bible? I want to read again. On aimerait bien retrouver ce verset de 1 Chronique 9 et le lire. Quelqu'un sait à quelle page ça se trouve? You can go to the Bible, your Bible. 1 Chronique 1. 1 Chronique, chapter 9. 1 Chronique 9, peut-être bon, si c'est difficile à le retrouver dans le manuel. Il suffit de le retrouver dans mon Bible, 1 Chronique 9. Ok. 1 Chronique 9. Yes. 9. Yeah. Verse 33. 33. 1 Chronique 9, 33, j'ai ouvert pour moi. C'est pas ça. 1 Chronique 9, 33. Voilà. Tu l'as retrouvé? Je peux le lire? Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, yeah, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ils étaient exonérés des autres tâches, parce que eux, ils étaient à l'œuvre jour et nuit. So they are 100% professional praise ministers. Et donc ils sont à 100%
des professionnels de la louange, du ministère de la louange. So they are provided everything they need, okay, to survive or to live a life. Alors pour eux, on leur met à disposition tout ce qui est nécessaire pour continuer à vivre néanmoins en étant occupé 24 heures sur 24 au ministère de louange et d'adoration. Ils n'ont pas à aller travailler ailleurs pour gagner leur pain et puis venir encore faire ce ministère. So they don't need to work, okay, for their food. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler pour pouvoir avoir la nourriture. Is there anyone who is supported by the church 100%? Y a-t-il quelqu'un ici, un musicien, qui reçoit un soutien de l'église à 100% et qui n'a pas besoin de faire un autre boulot pour vivre? Can you raise your hand? Alors levez la main si vous êtes dans cette situation déjà. Ce qui va montrer que votre église a atteint un très haut niveau. I don't think there is one. I don't think there is one. Ça n'existe pas ici. I know. Je sais que souvent c'est difficile pour les églises de consentir à ça. It's no problem. Ce n'est pas un problème. Now, let's say this is the head of Levi, okay? Ici donc, le chef de Lévi dont il est question ici. This is 100% professional praise ministers. Ils sont dans le ministère de la louange à 100% et c'est au niveau professionnel. And a layman, okay, layman who just praise God without any knowledge, just, you know, they are called to praise God, they are 0% professional. I would Alors, say 0% professional. N'importe quel laïc de l'assemblée qui aussi doit louer Dieu, participer à la louange, on pourrait le qualifier d'être au niveau 0% de professionnalisme en ce qui concerne le ministère de louange. So do you understand? Vous comprenez? You follow me? Est-ce que vous me suivez? Ou bien je vous ai perdu. Or you drowsy? You drowsy? Ou bien est-ce que vous somnolez? Okay. If you're drowsy, just stand, okay? Si no vous problem. Sentez que vous somnolez, vous sentez-vous libre de vous tenir debout et de repousser le plafond qui veut tomber sur la tête. Now, listen very carefully, okay? Alors, écoutez attentivement. This is 100%. 100, il y a donc ce niveau à 100%. This is 0%. Et ici, c'est 0%. In between, entre les deux, there are lots of different kinds of crazy musicians. Il y a tellement beaucoup de différents niveaux de musiciens impliqués dans la louange. Ok. Allant de 0% au niveau 100% professionnel. So, I expect that if you are 100% praise musicians provided by the church, you know, everything you need, and you are asked to praise God all the time, you are asked to be involved in praise ministry all the time, it is not good for you to do secular music. Alors, à mon avis, à mon humble avis, si vous êtes à ce niveau de 100% professionnel et que vous êtes impliqué dans le ministère de louange à l'église en tout temps et que l'église requiert de vous être impliqué dans tout ce qui est louange, formation et tout ça et que l'église pourvoit à vos besoins à 100% et que vous n'avez pas besoin d'aller travailler ailleurs pour survivre, alors ce n'est pas correct qu'en dehors de ça vous soyez impliqué dans de la musique ailleurs qui n'est pas de l'église. Now let's say you are supported maybe 10% of your need, okay? Your need, economical need, okay? From the church because of your praise ministry, then 90% that you have to earn money, you have to have another job. Alors, admettons que vous soyez pris en charge par l'église à 10% de vos besoins. Et que pour les 90% qui restent pour pouvoir vivre normalement, vous ayez besoin de travailler, de faire autre chose pour vivre. You have to support your family. Vous devez pourvoir aux besoins de votre famille. And you have to support yourself also. Et vous devez donc pourvoir à vos propres besoins. And what you have, if what you have from God is only musical talent, then you have to have a job, okay, using your musical talent. Et que dans cette situation-là, tout ce que vous avez reçu de Dieu, ce sont vos talents artistiques ou musicaux. Eh bien, vous devez essayer de faire quelque chose avec ça pour compléter les besoins de votre famille et vos propres besoins. And
And then I think that you can play also even secular music to earn money. Et alors dans cette condition là, je pense que c'est admissible, c'est acceptable que vous puissiez aussi jouer la musique séculière dite profane pour pouvoir gagner votre vie. Because that is the only way you can survive in this society. Parce que par exemple, vous n'êtes pas charpentier, vous n'êtes pas une profession, c'est la seule façon pour vous de survivre dans notre société. But let me tell you one just important thing. J'aimerais ajouter une autre chose importante, si vous me permettez de causer entre vous. If that secular music somehow encourages evil things that God hates, then it is not the music that you are. Mais si le niveau, la musique séculière dans laquelle vous allez vendre vos talents pour vivre implique ou inclut ou utilise des choses de ce monde, donc de l'occultisme ou des pratiques que vous savez que Dieu dans sa parole condamne, alors en tant que chrétien, c'est à vous de savoir que vous ne devez pas vous impliquer dans ce type-là. Vous devez chercher un autre travail ou mettre en valeur vos talents là sans qu'il y ait ces implications que Dieu est ou qu'il dit que mes enfants ne doivent pas y être impliqués. Let me tell you an example. Je vais vous donner un exemple. Let's say your only ability, God gave you the ability to run very fast, okay? Alors la seule habilité que Dieu vous a donnée, c'est d'être un champion en course. Dans les 100 mètres, par exemple. Yeah, you can run very fast. Vous êtes le plus rapide, vous êtes une Usain Bolt, par exemple. So, you can make money, okay, with your talent. Alors, vous pouvez vivre, vous pouvez gagner votre vie avec ce talent. There could be many ways, okay, you become an athlete, okay, Olympic athlete, okay, donc, and you have a gold medal, wow, you will be rich. Vous pouvez donc être dans l'équipe, vous pouvez être un athlète et vous gagnez la compétition, vous avez la médaille d'or, donc ça vous fait beaucoup d'argent pour vivre. But, because you are really fast runner, you are not allowed to work bringing drugs, a bad drug, okay, to another people with fast running and then you have money, okay? That is not allowed. Voilà, donc par exemple, vous êtes impliqué dans des compétitions, vous êtes meilleur dans votre domaine, il ne vous est pas autorisé d'utiliser par exemple, c'est quoi, ils appellent ça quoi déjà, les produits dopants, pour pouvoir compétir, et puis vous ne pouvez pas amener ça là-bas et essayer de le monnayer avec les autres coureurs pour les aider à courir aussi vite que vous et vous faire de l'argent en plus de vos talents de coureur. C'est pas autorisé. So, to use your ability or your talent to motivate sins, okay? That is not allowed. Donc, de la même façon, utiliser les talents musicaux ou musicaux, je ne sais plus, que Dieu vous a donné et encourager, et pour pouvoir encourager des choses qui sont interdites par la parole de Dieu, ça aussi c'est pas bon. But if your music is just elevate, it's just for human entertainment, okay? That's fine. Mais si la mise en, le monnayage de vos talents, c'est juste pour entertainment, à chaque fois je cherche. Entertainment, La distraction des gens, c'est juste jouer avec une bande et puis ça distrait les gens. Il n'y a pas d'autres implications occultes ou autres. Alors ça va. Ça peut être. So I don't know all the different cases, but that is kind of, you know, the principles. Okay? Alors moi je ne connais pas toutes les spécificités qu'il peut y avoir, mais ce que je viens de vous dire constituer une bonne manière de juger vous-même, de balancer et de voir, ok, là, est-ce que je peux m'impliquer, je peux monnayer mes talents là, c'est ok, est-ce que Dieu est ok avec ça ou bien je dois aller. All the secular music is not evil. Toute la musique séculière ou dite, quel est le mot déjà, profane, n'est pas mauvaise, n'est pas la mauvaise musique, n'est pas diabolique. Some of them are composed by
really, really talented composers, and this talent came from God. Certaines de ces musiques profanes sont composées par des gens très talentueux et leur talent leur a été donné par leur créateur. So you have to have discernment. Alors, il nous faut avoir du discernement. And also, there's another thing to consider is your spiritual maturity. Alors, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est votre maturité spirituelle. The more you grow, the mature you grow, then you will love to perform rather sound music. I mean, you know, spiritually sound music rather than maybe too much emotional music. Okay? Et plus vous devenez spirituellement mature, plus vous aurez tendance à vous impliquer dans de la musique qui spirituellement édifie plutôt que de la musique simplement émotionnelle. Actually, it's up to you. Et en fait, tout dépend de vous. So if you think, okay, I'm not 100% professional musician. Okay? Alors si vous pensez, moi je ne suis pas encore au niveau 100% professionnel pris en charge par l'Église. So I'm not 100% supported by my church. Okay? Because of the ministry. Je ne suis pas pris en charge par mon Église à 100% pour tous mes besoins et de ma famille. Then you have to have a job. Alors tu dois chercher du boulot. With job, you can also glorify God. Et avec ton travail, tu sais que tu dois aussi glorifier Dieu. Because you need to support your family, that is also a commandment from God. Et le fait de prendre, de pourvoir aux besoins de votre famille, c'est aussi un commandement de Dieu. So, is this helpful? Alors, est-ce que ces réponses, ces éléments de réponse que j'ai apportés, vous êtes maintenant soit plus? So we go to another question, right? Alors, une autre question. I know it is not perfect, but you know. Je sais que ma réponse n'est pas parfaite, ça n'existe pas. Good. What is the next question? Alors, prochaine question, il y a quelqu'un ici. Et il y avait un micro baladeur. On peut le faire tourner pour les questions, le micro baladeur. Bon, venez ici en attendant, prenez déjà celui-là. Posez vos questions. Yeah. Same time. Okay. And first, say your name. Je m'appelle Oudabantore. Oudabantore. From Ouagadougou? Oui. Voilà. Okay. Je suis originaire de Ouagadougou. Listen carefully. No, listen very carefully because this might be also important to you. J'avais 5 petites questions. You have to select. Okay. You have to select just one question because many people have questions. Il vous faut parmi vos 5. The most important question. La plus importante pour vous parce qu'il y a d'autres aussi qui ont le temps. The most important. Toutes les directions sont importantes quand même. La première question est la suivante. C'est par rapport à deux chroniques. Qu'on a vu la fois passée. First Chronicles. Ça rapporte l'histoire de Josaphat avec son armée, voilà, la guerre. Okay. Second Chronicles. Voilà. Okay. Donc, le pasteur, le docteur a eu à parler. Il a fait même une illustration ici où il y avait la chorale qui était devant, voilà, l'armée qui suivait, exactement, voilà. Maintenant, moi, je voudrais demander, est-ce qu'on peut faire une application de cette image-là? Est-ce qu'on peut l'appliquer à notre vie actuelle? Ou comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Est-ce qu'on peut essayer de faire une allégorie? Bon, de toute sorte, essayer de ramener ça pour nous faire comprendre mieux la chose. Ça peut être possible. You have that drama and drama that it is. Is it possible to give us an example that will be more applicable to our daily life today? Clear about this battle and application.
tradition in our world. But we would be very Okay. What message can we apply to today's life? Yes. Okay. Si je comprends bien de ça là, de ce texte et de l'illustration, quel message, qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre vie d'aujourd'hui? C'est bien ça. Good. Wow, it's amazing that actually I wanted to teach a little bit about that, but you said. Alors c'est étonnant parce que j'avais tellement envie d'enseigner un peu plus par rapport à ce texte, mais vous m'en donnez l'occasion de le répondre à vos questions. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. You know what? Yeah, we have to go back to. Alors nous devons retourner. Page 5. À la page 5. Vous trouvez ce récit. À la page 5. We never had this. Is because of the lack of time, but now we can do that. Nous n'avions pas eu l'opportunité de le faire à cause du manque de temps. Maintenant, avec la question, nous y revenons. Main message of the. Alors, il y a au milieu de la page 5, il y a un grand titre en gras, le principal message de cette histoire. So let's read it as a question together. Alors, nous pouvons lire la question qui est là-bas. Pourquoi? Pourquoi Dieu? On le lit ensemble. Pourquoi Dieu devrait-il nous montrer ce genre de stratégie extraordinaire pour la bataille insurmontable? Yeah, that's a good question. Bonne question. Number one, God has many other logical and rational battle strategies. Premièrement, Dieu, c'est la réponse numéro un qui est là-bas. Premièrement, Dieu a plusieurs autres stratégies de bataille logiques et rationnelles. Yeah, so we know that God could do other ways, okay? Et donc nous savons que Dieu aurait pu procéder autrement dans cette bataille-là également. Instead of installing choir members in front of the army. Au lieu d'installer, de faire installer la chorale ou les chanteurs devant l'armée. But number two, God chose this strategy with intention. Et maintenant, le point 2 dit, Dieu a choisi cette stratégie avec une intention en tête. Okay. Then number three, what is the relationship between praise song and victory? Et la réponse numéro, le point numéro 3 dit, quelle est la relation entre chant de louange et chant de victoire? So here we see the God's intention, okay? I don't say I know 100%, but we can easily see that as God showed this drama, he wanted to show how important is the spiritual warfare and how the praise music can win the victory. Alors, je ne suis pas en train de dire que je maîtrise l'intention de Dieu à 100% lorsqu'il a permis cela, mais ce que je peux percevoir, c'est que l'intention de Dieu en mettant en scène ce que nous lisons dans ce texte-là, c'est de nous montrer l'importance qu'il y a dans le combat spirituel et l'importance qu'occupe le ministère de la louange dans nos moments de combat spirituel. So if you go to page 39, et si nous nous rendons à la page 39, then it is talking about the power of praise. Et cela parle de la puissance de la louange, chapitre 4. À la page 39. And number one is about victory. Et donc le point numéro un parle de victoire. I know and I taught you that the primary goal is of praise ministry is to please God. Et je sais que je vous ai enseigné que l'objectif numéro un du ministère de la louange c'est de louer et glorifier Dieu. And actually, this is the only purpose of praise ministry. Et en réalité, c'est le but ultime du ministère de la louange. But you know, as we do like this, then God let us experience lots of wonderful things. Mais alors que nous poursuivons donc l'objectif ultime qui est de glorifier, rendre toute la gloire à Dieu et de lever dans le ministère de la louange, Dieu nous accorde comme en linga d'autres bénéfices. Like victory. Comme la victoire. But the victory itself cannot be our primary goal of praise ministry. Mais
la recherche de la victoire en soi ne saurait être notre objectif premier poursuivi dans notre ministère de louange. It is what God does after God receives our praise. La victoire, donc les autres bénéfices que nous allons recevoir, victoire et autres, c'est ce que Dieu fait en réponse lorsque nous lui apportons la louange telle qu'il le mérite, de façon méthode. Amen. Amen. Okay, God, now, the victory is the spiritual victory. Now, if we apply, okay? Alors, this the second chronicle battle to our time, then we have to face the spiritual battle. Alors si nous appliquons le récit de deux chroniques là, à notre vie aujourd'hui, en fait nous devons l'appliquer à nos combats spirituels. What is the meaning of this position? The first choir and the second army. Alors, quelle est la signification pour notre combat spirituel? Le fait qu'on ait donc les musiciens, les chanteurs devant l'armée, au devant et l'armée en arrière. It somehow teaches that in physical battle, the army should be at the front. But in spiritual battle, actually, choir or praise musicians should be at the top front. Alors, une des leçons claires que nous devons percevoir, c'est que Dieu veut nous enseigner que dans les batailles physiques, ok, l'armée doit être devant, c'est l'armée qui va aux frontières pour lutter contre les djihadistes. Mais dans les batailles spirituelles, c'est le ministère de louange qui doit être mis en avant. So, on one hand, your goal is to praise God. Alors, d'un côté, ton objectif est de louer, élever Dieu. But on the other hand, you should know that you are at the very front of warfare. Et d'un autre côté, tu es conscient que tu es réellement en face d'une bataille spirituelle. And there is no other shield to protect you but God's protection. Et que dans cette bataille spirituelle, il n'existe aucune armure, aucun... C'est quoi le truc qui bat? So then, prier pour te protéger, accepter la protection de Dieu. That means you rely on God 100%. Et ce qui veut dire que dans cette bataille spirituelle, tu dépends de Dieu, de sa protection à 100%. So I want you to pray for this spiritual battle and pray for victory before you begin praise ministry. Alors, c'est important que nous puissions prier pour ce combat spirituel-là avant même d'entamer la louange et l'adoration. Now, I will give you a clue, very important information. Look at what they sent. Okay? Alors, j'aimerais vous ajouter une autre information très importante. Regardez what they sent. What they sent. Considérez ce qu'ils ont chanté. Les paroles, les mots, ce qu'ils ont exprimé dans leur chant lors de cette bataille. Yeah. Look at page 4. À la page 4. Mm-hmm. And then, verse 21. Le verset 21. Let's read together all the things. On va lire ensemble le verset 21. Il se trouve donc à la page 4. 1, 2, 3. Puis, d'accord avec le bœuf, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Si on regarde le texte, on considère les paroles qu'ils ont prononcées, qu'ils ont chantées, ça nous semble un peu bizarre. Normally, in this situation, okay, in this situation, normalement dans une telle situation, in a situation of urgent battle, urgent danger, il y a urgence dans la bataille et il y a un danger parce qu'il y a urgence. We might praise God this way.
victory, God of victory, please. On devait être en train, give us victory. Yeah, we can on devait être en train d'invoquer, de faire appel à la victoire de Dieu, donc en prononçant des chants de victoire. Où on fait mention de la victoire, de triomphe. But, you know, they did differently. Mais ils ont fait autrement. They said, give thanks to the Lord for his love endures forever. Et eux, au contraire, ils ont chanté, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. This means that actually we, regardless of our situation, et si ça veut dire en dépit de la situation délicate dans laquelle nous sommes, we have to praise God because of his goodness, because of who you are, who he is. Nous devons et nous louons Dieu pour sa bonté et pour qui il est. Amen. Amen. So this is about song selection. Et donc ici il s'agit de la sélection des chants aussi pour les chants. So don't give too much attention to your church's situation. Ce qui nous interpelle en disant, n'accorde pas excessivement d'importance à la situation de ton église. Please focus on who God is. S'il te plaît, focalise-toi sur qui Dieu est, sur sa personne. Even before you tell God, oh, our church has this problem, this situation, so we need victory. God knows everything. Et même avant que tu commences à dire à Dieu, ah, notre église a tel problème, nous prions pour ceci, pour cela, Dieu savait déjà les problèmes de ton église. Even in that difficult situation, if God hears, oh, you are good God, you're gracious, you're gracious Father, then God is more pleased. Et même en face de ce danger où ils étaient dans leur situation délicate, au lieu de se focaliser sur ça, et ils sont là pour dire, oh Dieu, tu es merveilleux, tu es un bon père pour nous et tout ça. Dieu est heureux quand tu n'en penses pas. So here, through this text, we know that the first primary goal of praise ministry is to give God glory, to please him, not to solve our situation. Et donc, une application concrète de cette situation, c'est de, même au milieu de n'importe laquelle de nos circonstances, des dangers et tout ça, l'objectif premier de notre ministère de louange est de donner gloire à Dieu et non pas de nous focaliser sur la résolution de nos problèmes auxquels nous faisons face. But look at, we started from verse 1. Look at, they prayed a lot actually. They fasted even. Et en réalité, si on commence depuis le premier verset, on voit qu'ils ont beaucoup prié, ils ont jeûné même. Ils ont consacré du temps dans le jeûne et la prière. Please read again the whole chapter. Okay. Alors s'il vous plaît, dans votre temps libre, prenez le temps de lire la totalité de ce chapitre. The whole people fasted and prayed. Tout le peuple a jeûné ensemble et ils ont intercédé. And then we come to this point. Et ensuite, on arrive à ce point dans la bataille. The people who had not sufficient prayer, then they want to just mix prayer with praise. Not sufficient prayer. Et donc, ceux qui sont impliqués dans ce ministère et qui ne prient pas suffisamment, à part en dehors de quand ils sont devant, alors ils ont tendance à mélanger tant de louanges et tant d'intercessions. So if you have prayer requests for the church or for your family, then you pray. Et donc, si vous avez des réunions de prière, si vous avez des besoins, des requêtes de prière et pour votre église et pour votre famille, prenez le temps de prier à part avant le moment où vous venez. And then God will hear your prayer. Et là, quand vous priez dans vos moments privés de prière, Dieu vous entend. And you will have the answer. Et vous aurez des réponses de sa part. But the praise ministry is the purpose is different. Mais l'objectif, le but du ministère de louange est différent que d'apporter des requêtes de prière à Dieu. It is to proclaim His goodness. C'est de proclamer sa bonté. It's to give God the most glory. De lui, de
donner la plus grande gloire possible. C'est de lui faire plaisir. And that's it. Et c'est tout. Ça ne cherche pas autre chose. Amen. Amen. And now I have to tell you one more very very important thing. Alors, j'aimerais ajouter encore quelque chose de très important. As you know, who was the king? Alors, qui était le roi? On a, quel est le nom de ce roi? Josaphat. Josaphat, okay? It is that king, okay? Josaphat, and he had this experience. That means, okay? Alors, c'est le roi Josaphat qui a eu cette expérience là, et cela veut dire God showed this revelation. Okay, all this is amazing revelation. Okay. Parce que en réalité, pour pouvoir faire cela, être dans une bataille, amener les Dieu a dû donner une révélation. To Jehoshaphat, King Jehoshaphat. Au roi Jehoshaphat. And actually, instead of people of Israel fight the warfare, God Himself fight. Okay. Et dans la réalité. Au lieu que ce soit l'armée d'Israël, le peuple d'Israël qui combatte pour lui-même, nous voyons dans cette situation que c'est Dieu qui a combattu à leur place. Amen. Amen. So there are two ways in your life. Alors il y a deux possibilités dans nos vies, deux voies. I know you have battle all the time. Nous savons que nous avons tous des batailles. One way of battle is you fight yourself. Une des façons de faire face à nos batailles, c'est de combattre nous-mêmes personnellement. Yeah, sometimes we have to do that. Et parfois nous devons le faire. But there is another way. Et il y a une autre façon. To let God fight for you. C'est de laisser Dieu combattre à notre place, combattre nos batailles. Hallelujah. Amen. So that is what exactly that what happened as they prayed. As they give God praise. Alors au moment c'est exactement ce qui s'est passé et c'est une des applications que nous pouvons tirer de ce texte là. Au moment où ils ont loué, focalisé leur attention sur Dieu, Dieu a combattu leur combat. Tell your neighbor that I prefer fighting myself or I prefer letting God fight instead of me. What you say? To tell your neighbor, okay. Dites à votre voisin, what is your preference? Quelle est votre préférence? Est-ce que vous préférez combattre personnellement ou bien vous préférez laisser Dieu combattre vos batailles à votre place? Like King Jehoshaphat. Comme le roi Josaphat. Quelle est votre préférence? Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. I don't know who you are. Je ne sais pas exactement qui vous êtes. My preference is number two. Mais moi, ma préférence, c'est l'option numéro 2. I really want to see God fight for me. Moi, je veux voir Dieu combattre mes batailles. Alléluia. Alléluia. And I want to see God fight for Burkina Faso. Et j'aimerais voir Dieu combattre les batailles du Burkina. God fights for the Western African countries. J'aimerais voir Dieu combattre pour la cause de l'Afrique de l'Ouest. And our victory is secure. Et en ce moment, notre victoire est certaine et sûre. And nobody gets hurt. Ici, dans ce combat, personne n'a été blessé. Hallelujah. 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 Now listen very carefully. Do you know the meaning of the name of King Jehoshaphat? Connaissez-vous la signification du nom du roi Josaphat? If you know the name, then the meaning of the celui qui connaît la signification, la fait et nous la donne. No problem. I really want to see someone. Je voulais juste voir si quelqu'un par hasard savait. Jehoshaphat is two words. Josaphat est une combinaison de deux mots. You will be surprised to see this. Vous serez surpris de voir cela, de comprendre. As I did maybe 2 or 3 decades ago. Et cela fait environ 20 ou 30 ans que moi je suis. Jehoshaphat is two words. Josaphat, ce sont ces deux mots collés ensemble. Combined in one. Donc, collés pour faire un seul mot. First word, Jeho. La première partie c'est Jeho, means Jehovah, qui est issu de Jehovah. And the second word, Shaphat. Et la deuxième partie, Shaphat. Shaphat means fight. Signifie combat. Aïe
Alléluia. 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 C'est extraordinaire. So his name, this king's name, Jehoshaphat, means God fights. Et donc, déjà dans son nom, ça, il porte un nom qui veut dire Dieu combat. Hey, Jehoshaphat is now an old guy. Donc Jehoshaphat c'est pas juste ce gars-là. When did he get his name? Quand est-ce qu'il a eu son nom? As he was born. C'est à sa naissance. Maybe some 50 or 40 or 60 years ago. Peut-être il y a 40, 50, 60 ans environ. And then this warfare happened. Et ensuite il y a eu cette bataille. And then God fought for him. Et c'est à ce moment que Dieu a mis en application la signification de son nom en combattant pour lui. What does that mean? What does that mean? Et qu'est-ce que cela veut dire? God had a plan. God had a plan. Dieu a un plan. Alléluia. Alléluia. Wow. God had a plan. Give God applause. Alléluia. Acclamation à Dieu parce qu'il a un plan pour la vie de chacun. In his name. Alors Dieu a caché un secret dans le nom même du roi. Wow. Wow. And let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. God has a very special plan for each one of you. Dieu a un plan particulier pour tout un chacun d'entre nous. Amen. 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 I was so blessed, so powerful as I studied this, and all of a sudden it was like a light bulb moment. Et au moment où j'étais en train d'apprendre, en apprendre davantage, il y a de cela 20 ans, comme je vous ai dit, ça a été comme une grande révélation qui m'a mis dans l'extase. Even before you were born, God has something very special plan for you. Même avant votre naissance, Dieu a un plan particulier pour votre vie. Now, there is one more very important thing to teach. Il y a une chose encore très importante, une leçon très importante à tirer de cela. Look at the number 5 question at the bottom of page 5. Regardez à la question numéro 5 en bas de la page 5. Let's read together. On va lire ensemble cette question. En le droit. Pourquoi Dieu a-t-il montré cela au roi Jehoshaphat? À qui ressemble-t-il? Okay. Everyone, please, once again. Everyone. On peut le lire tous ensemble. C'est le point 5 en bas de la page 5. 1, 2, 3. Pourquoi Dieu a-t-il montré cela au roi Jehoshaphat? À qui ressemble-t-il? Do you have any idea? En avez-vous une idée? There are many kings, but only to this king Jehoshaphat, he showed this very unique revelation. Il y a eu beaucoup de rois en Israël, mais c'est uniquement à ce roi Jehoshaphat qu'il a donné cette grande révélation. In order to know that, we have to study a little bit about who he was. Pour nous aider à mieux connaître Dieu, nous devons essayer, tenter d'étudier davantage, chercher à savoir davantage qui lui il est, qui Dieu est. So we don't have time, just we read, okay? Second Chronicle, here I already wrote, Second Chronicle, chapter 19, verse 2 to 9. Alors, nous n'avons malheureusement pas suffisamment de temps pour nous y pencher, mais en bas de la question que nous avons lue, j'ai marqué là-bas 2 Chroniques 19, 2 à 9. Go to your Bible now. Alors cherchons ce texte rapidement dans nos Bibles. 2 Chroniques 19. Do you need to know who he was like? Voulez-vous avoir la réponse à cette question, à qui ressemble-t-il? Alors lisez ce texte 2 Chroniques 19. Let's read together. Alors on va le lire ensemble. 2 Chroniques 2 to 9. 2 à 9. Vous y êtes? On peut lire ensemble 2 Chroniques 2 et 2 Chroniques 19, 2 à 9. 1, 2, 3. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Jehoshaphat : Doit-on souffrir
l'argent et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de personne. Quand on... Verset 8. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Amen. Amen. Wow. Keep in mind that he, Jehoshaphat, was the king. Alors, gardez en mémoire que Josaphat, c'est le roi. Now, at first what we know is he made a mistake. Alors, ce que nous savons, c'est qu'il a d'abord commis une erreur. Like us. Il a fait des erreurs comme nous. We all make mistakes. Nous tous faisons des erreurs. But here is the thing that is really, really makes him very special. Mais c'est ici ce qui l'a rendu lui si particulier en dépit de ses erreurs. That comes from verse 4. Alors, lisons à partir du verset 4. Let's read again verse 4. On va lire le verset 4 à nouveau. En 3. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Hey, wait a second, this is kind of weird. Wow, attendez une seconde, apparemment ça semble un peu bizarre ici. It is very natural for King Jehoshaphat to dwell in Jerusalem. That's cool. C'est naturel et normal pour le roi de demeurer à Jérusalem, c'est la capitale. But what he did is really, really, really weird. Mais ce qu'il a fait ensuite et qui est décrit ici est vraiment bizarre. He went out and then among the people. Il a donc fait une tournée au milieu du peuple. And you know, he traveled a lot, maybe 30 kilometers, or you know, he went far away. Il a donc il a parcouru beaucoup de kilomètres. Il nous a dit qu'il a fait une tournée. Oh, he went to the highland also, okay? He walked to the high altitude. Il est donc monté en altitude également jusqu'à la montagne. Il était précis à la montagne d'Éphraïm. What was the purpose? Alors quel est l'objectif en faisant cela? To bring them, to bring the people of Israel back to the Lord. L'objectif qu'il poursuivait était de ramener le peuple d'Israël à son Dieu. Hey, actually, he evangelized his people. Hey, en fait, c'est comme s'il est en train d'évangéliser son peuple.
Is it possible for a king to do that? Est-ce possible qu'un roi fasse cela? Is it normal? Est-ce que c'est normal? No, it is not normal. No, it's not normal. C'est pas normal. Ce n'est pas son activité normale. Let's say you are king. Admettons que vous soyez roi. You dwell in Jerusalem. Vous habitez donc à Kosia. You sit on the throne of gold. Vous êtes assis sur le grand trône en or dans le palais. And then you know that, okay, the people of Israel somehow went, you know, the depart from God. Et vous êtes conscient que d'une manière ou d'une autre, votre peuple s'est éloigné de votre Dieu, de son Dieu. If you were a king, if I were a king, I would say this. Et si c'était vous le roi, ou bien si c'était moi, j'aurais dit ceci. Hey, you, my servant. Et vous, mes serviteurs. You go to the people. Allez voir ce peuple. And tell him this is my first warning. Et dites-leur que ça c'est mon premier avertissement. If you don't return and repent, si vous ne revenez pas dans la repentance, I will send my army. Je vais envoyer mon armée. Okay, this is my first. Alors ça c'est le premier avertissement. Warning, okay, be careful. Alors faites attention. Maybe that's what all the kings doing. Peut-être c'est ce que tout roi aurait fait. But what he did is quite different. Mais ce que lui, Josaphat, a fait est complètement différent. He himself, a king, as a king. C'est lui-même en tant que roi qui a commencé à marcher, à parcourir des kilomètres. He walked a long way. Il a parcouru de longs kilomètres. To meet his people. Pour aller à la rencontre de son peuple. And then he would have told this like this. Et il aurait pu leur s'exprimer, s'adresser à eux de cette façon. Hey, you repent. Et vous aussi, vous les répandez-vous. You come to the Lord. Hey, revenez à l'Éternel. Wow. It's Jehoshaphat King. Ça, c'est le roi Josaphat. Really? Can you? Do you think you can act like him? Pensez-vous que vous serez en mesure d'agir comme lui si vous étiez à sa place? Can you be that humble? Pourriez-vous être aussi humble que ça? It shows his heart. Cela montre l'état de son cœur, l'attitude de son cœur. His heart was burning for the Lord. Son cœur brûlait pour son Dieu. He couldn't sit on the throne. Il ne pouvait pas se contenter d'être assis sur le trône dans le palais. So he himself, you know, went out. Et donc lui-même est sorti et descendu sur le terrain. And he evangelized the people. Et il a évangélisé son peuple. Alléluia. 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 And God saw that. Et Dieu a vu cela. Wow, and God is touched. Et Dieu a été touché. And then God decided to give him a great revelation. Et alors Dieu a décidé, wow, celui-là, ça en vaut la peine de lui donner une grande révélation. All knowing God, actually, even before he saw that, he already decided that. So he gave this particular name of Jehoshaphat. Alors, le Dieu omniscient, qui sait toutes choses à l'avance, même avant l'acte que Josaphat a posé, Dieu savait déjà cela et il lui a, par anticipation, par prophétie, donné le nom de Josaphat à sa naissance. Alléluia. Alléluia. Amen. This is a good teaching that we can learn. Et c'est un grand enseignement que nous pouvons tirer de ce récit. There are tons of things that you may apply, okay, to this modern time. Et de ce texte-là, de ce récit, il y a des tonnes de choses que nous pouvons appliquer à notre vie moderne. Amen. Amen. So, do you think it is kind of ça va, ça a répondu à votre question? Fabuleux. Okay. So, just alors, only one question. Une dernière question ici. We don't have time yet. Okay. Parce que le temps est passé. Okay. Good. Alors, ce monsieur bien cravaté et bien mis. Oui, ça marche. Ça marche pas. C'est pas arrivé. Bien, tout ça va bien. Salut. Merci. Thank you very much. He allows me to ask my question in English. So he allows me to ask my question directly in English. Okay. Thank you very much,
Dr. Yuan Kim for your teaching. Merci beaucoup pour les enseignements que vous nous donnez. My question is relying about children ministry. Children praise ministry. Et donc ma question concerne donc le ministère de louange, c'est ça? Des enfants. Des enfants. Children. So I simply want to ask you, how did you manage to start the training of children, to use them all the time? Je voudrais que vous puissiez partager avec nous comment vous avez pu vous y prendre pour démarrer un tel ministère au milieu des enfants, enfin à l'intention des enfants. I simply want to ask if you would like to share some experiences with us. Il y a trop de basse. On n'entend pas parce qu'il y a trop de basse. Dans ce micro, il y a trop de basse. Ok, so. Ok, voilà, ça. Et puis, d'ici, je traduis. So, I say, I simply want to ask you if you would like to share a little experience of what you have done at Korea, Cambodia, about your children festival ministry. Yeah, thank you. Ok, en fait, ce que je voudrais demander, c'est est-ce que vous pouvez partager avec nous de votre expérience, comment vous vous y êtes pris pour lancer ce ministère au Cambodge et puis tout ça. So very good question. Thank you for asking that. Très bonne question et merci de l'avoir posée. So it depends. Actually, you have different situation now. So every city has different situation. Chaque ville a une situation, une configuration différente. Okay. Yeah, that's okay. Mm-hmm. So therefore, I will tell you about the situation in Korea at that time. Alors, je vais vous partager peut-être l'expérience concernant la Corée. We normally have lots of children who have piano lessons. Private piano lesson. En Corée, la situation est telle que nous avons déjà beaucoup d'enfants qui prennent des cours de piano déjà en privé. So, I thought it would be wise to begin with piano praise competition. Et c'est ce qui m'a amené à considérer que c'était sage de commencer avec une compétition autour du piano, puisqu'il y a déjà naturellement chez nous beaucoup d'enfants, les parents leur font faire des cours de piano en privé. I gave you already the sheet, okay? The sheet where the information is available. J'avais déjà rendu disponible ce petit bout de papier avec toutes les informations. Yeah, here you can download lots of music score for piano or violin or cello. So after we publish this kind of book, we begin to introduce this book to piano teachers. Et une fois que nous avons édité notre manuel, je sais pas comment on appelle ça, de partition de piano, nous l'avons rendu disponible à beaucoup de ces gens qui forment les enfants donc en piano. And then they began to teach this praise music from the book I published to children. Et donc, alors que ces gens donnent les cours particuliers aux enfants, ils ont commencé à utiliser donc le manuel que moi j'ai conçu et qui véhiculait déjà la louange. C'est la musique de la louange. And in our church, we decided one day that as a praise competition. Et dans mon église, nous avons un jour où ce qui est consacré à la compétition de musique de louange. And we pray for that. Et nous prions pour cela. And we have to advertise that. That's very important. Et advertise. Nous faisons de la publicité autour de cette compétition. As much as we can. Et aussi, autant que possible, faire de la publicité pour que dans la ville, les gens soient au courant que ça existe, cette compétition. To many churches. Et en passant par plusieurs églises and maybe schools.
Et dans les écoles également, where there are many children. Et là où on trouve beaucoup d'enfants. And some of them began to respond. Et donc c'est de cette manière qu'un certain nombre d'enfants ont répondu et ont manifesté leur intérêt pour ce festival. When you do advertisement, you have to have a information for contact. Okay. Et donc, en faisant de la publicité pour un tel événement, il est important qu'il y ait un contact où les gens peuvent s'adresser à vous s'ils ont besoin de plus d'informations. And there should be some little bit of fee, application fee. Et il devait y avoir un petit montant pour les frais d'inscription ou de participation. That shouldn't be too high that, you know, it is very hard for normal people to participate. Et ces frais d'inscription ou de participation ne devraient pas être dissuasifs pour la plus grande masse des gens. Il ne faut pas que ce soit très cher, que ce soit assez abordable. Also, it shouldn't be too cheap that the people just ignore it. Et ça ne devrait pas être aussi tellement bon marché que les gens disent, c'est comme ça, ça veut dire, c'est pas du sérieux. So somehow the lifestyle, life standard decide how much. Ce qui devrait vous orienter dans la fixation des coûts, c'est le style de vie, le standard de vie à l'endroit où vous êtes, selon la ville où vous êtes. Let's say in New York, in America, it is for New York New Praise Fest, but it is about $80. Alors, par exemple, à New York, dans la ville de New York, pour prendre part au festival là-bas, c'est autour de $80 les frais de participation. But in Louisville, Kentucky, there is another part of the United States that is maybe $20. Et dans une autre ville plus de moins d'importance au Kentucky, et là les frais s'élèvent à $20. Voilà, de 80 à $20. And in Cambodia, in Phnom Penh, Phnom Penh is capital city of Cambodia. Et à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, it is $5. C'est $5 les frais. And in the Siem Reap, there is a second maybe the largest city in Cambodia, that is only $1. Et dans une autre des villes, qui est par exemple une ville de Bobo, la seconde ville du Cambodge, c'est seulement $1. So it is really different, okay? D'une ville à l'autre. And then the next step is la prochaine étape après qu'on est. To have one day of explanation. Et c'est de fixer un jour où on va organiser une réunion publique pour donner des explications autant que possible. Donc les gens peuvent venir à une réunion et puis on donne des explications. So you gather together all the parents of the participants or the teachers of the participants. Donc, lors d'une telle réunion, on réunit soit les parents des participants, soit les enseignants, ceux qui forment les enfants dans le piano. And then we talk about the process, how we encourage children to practice praise music every day. Et donc lors de cette réunion, on leur donne toutes les informations sur le processus et la façon dont nous faisons pour encourager les enfants. So we give information how to practice praise music. And also we encourage music teachers or praise musicians who are teaching children, that we bless them and that we encourage them to send their children to this event. J'ai raté une partie de ce qu'il a dit parce que je disais, mais nous encourageons les parents à envoyer, à inscrire leurs enfants dans un tel festival parce que c'est avantageux. And then on the very day, we see, okay, children are coming and we give numbers, okay? According to the number, they le jour des inscriptions, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont là, qui viennent pour s'inscrire, et donc on les inscrit et on leur attribue des numéros. You have to have judges as a judge. Et on doit avoir un jury. Very important. Très important. Okay. A judge should have a music background. Et un jury composé de personnes qui ont un arrière-plan musical, je pense que... And
performing the music. Is it working? And so? So children are performing and the judge gives the notes. Les enfants compétissent et le jury attribue des notes à chacun selon ses thèmes. And then they decide who will get the grand prize and the gold prize and the silver prize and bronze prize and so like that. Et donc le jury décide qui va avoir le premier prix, deuxième prix, ainsi de suite. And then about 1 week later, okay, in the maybe different church or at the same church, we have winners recital. Et une fois que la compétition s'est achevée, une semaine où on fixe un temps dans une des églises où on aura la cérémonie des récompenses. And at the end of the winners recital, we have award ceremony. Et à la at the end of winners recital. Ah oui, à la fin du récital ou des gagnants, on organise donc cette. Ah oui, on fait la cérémonie de remise des prix. Even before the award ceremony, the pastor preaches gospel. Et lors de cet événement, avant la remise des prix, il y aura un pasteur qui va donner une prédication, un message. And I have a kind of principle that if there is, if you do first time in Burkina Faso or Ouagadougou, then I should come to help. Okay? Because there are so many cities, so there are cities that I cannot go, but I go to the city where it begins for the first time. Okay. Et j'ai adopté pour principe que en fait si nous collaborons dans la mise en place d'un tel festival. La première fois où ce sera mené dans la première ville dans votre pays, que ce soit Ouagadougou ou Ouagadougou, j'ai pour principe d'assister au moins à la première édition parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je peux apporter mon assistance. Ok, we run out of time, but do you think it would be was it helpful for you? Yes, I would say yes. So it's your responsibility to teach music, okay? Yeah. Not my responsibility. D'enseigner la musique, c'est votre responsabilité de former les jeunes dans la musique. Because normally I stay, you know, it's just 1 week or so. So it is impossible for me to teach, you know, the children music in 1 week. Alors parce qu'en général, quand moi je viens pour donner mon appui, je reste environ une semaine. Et en une semaine, c'est impossible pour moi de former ces jeunes gens dans la musique de hautbois et dans les instruments. But if you have questions, then you can send an email, then I can respond, and I will give you some more ideas. Et donc, au moment où si jamais la collaboration commence et qu'on s'implique dans un tel événement, vous aurez mon email, vous pouvez m'envoyer vos questions par email, je peux vous apporter mes apports, et ça peut, ainsi on peut travailler en amont sur la préparation de ce festival. I think I have your, brother, Luke, I have your email, okay? Alors j'ai ton email. So the one who really wanted to give yourself for this ministry and who decided to do so, just you give your email address to him. Alors tous ceux qui sont intéressés à s'impliquer dans un tel travail, dans ce ministère, vous lui donnez à Luc votre email. And then if you have questions and give him all the questions. Et vous pouvez aussi lui communiquer les questions. And then he will somehow order, you know, maybe he got 100 questions, but he can reduce it to 5. Et peut-être, par exemple, il peut recevoir 100 questions, et il peut avoir des questions qui se recoupent, il peut organiser tout ça et en arriver à 5, par exemple. If he send me an email, then I can help, I can respond. Okay? Et il peut m'envoyer donc vos questions par email et je peux répondre. And then when we are connected. Et ensuite, nous pouvons être tous connectés. And we are one. Et nous formons un corps. Hallelujah. Amen. Okay. Voilà. So, we run out of time, okay? Alors, on est hors du temps, trop mordu sur le temps. Now we want to stand together. On va se tenir debout ensemble. Wow, what a day is it? What a day.
Alors, we have a new information. Uh-huh. Brother Hubert is coming and he... Ah, he's here? Moment, yeah. In the moment that we go on with the missions until they arrive. Oh, really? Is that okay? So okay. Le frère Hubert est en train de venir et il dit de continuer à répondre à d'autres questions s'il y en a, parce qu'il vient. Parce que certainement il vient avec quelque chose en particulier. Donc on se rassoit. For me, it's okay. Yeah. And have a seat, and if you want to go outside and then you feel too hungry, then just no problem, okay? Alors, just if you want to hear the question, then... Alors, ceux qui sont intéressés à poser d'autres questions, restez assis. Ceux qui veulent écouter les questions et les réponses, restez assis. Ceux qui veulent aller aux toilettes, sentez-vous libre d'aller vous soulager avant de revenir au conseil. Yeah. Okay. Okay. Merci. So, do you think it is... okay, is there another question? Then raise your hand. Alors, si quelqu'un d'autre a une question qu'il aimerait poser, il peut lever la main et on lui donne le micro pour poser sa question. Une question? Oui? Ah, encore le même, mais attends, en dehors de lui. Ou bien, si vous n'avez pas de question, lui, il va poser, oui? Ok. But by the way, I have a question. Who was the guy who gave me the composition book? Is it you? Oh, I need to take picture with you, ok? Good. J'aurai besoin de vous prendre en photo après. From Benin. Benin. Wow, okay. Now, tu peux traduire? 5 minutes. J'ai une urgence. Okay, good. Hallelujah. You know, yeah. Okay, j'aimerais d'abord. Merci, Dr. Kim, pour tout ce qu'il est en train de nous donner depuis la semaine passée. All you have been giving to us since the beginning of this conference. J'avoue que c'est très édifiant, en tout cas pour nous Béninois. He said it's really important for their future life, their Béninois. Je suis dans une église où le style de louange, c'est plus le chant choral. Church and then their style of worshiping is about chorus, some choirs. So, yeah. They have choir. They have choir, wonderful. Yeah. Non, dans les projets, ce qu'il a fait, il a travaillé avec des enfants qui ont formé une chorale, qui ont travaillé par rapport aux compétitions. Est-ce que c'est le même style par rapport à l'apprentissage du piano qu'il a fait avec les enfants? Est-ce que c'est le même avec les mêmes gens? Il a formé la chorale. He said he saw the video he shows us with different colors, and he wants to know if it's the same children that have a twin with piano part that you use to form or to make the choir. Okay, you want to understand? Okay, you show us some videos of children who sing together, like a group. They sing, the choir with ensemble. There's a Cambodia. They are from Cambodia. These two children are from Korea. These two young children are from Korea. If it is the same children that you have trained with keyboard that you used to form the choir. I don't know I just want to know the strategy. Choir. When it, okay, you mean...
competitions, and he wants to know if it is the same manner to organize a competition with keyboard and a competition for singing for choir. Yeah. Actually, yes. Because we include all the styles of music, all the musical instruments, and also voice, solo voice or choir. So actually, every possible music style we include. Okay. En sanskrit, eux, ils incluent tous les styles de musique, que ce soit pour le piano, pour la chorale, pour ceux qui chantent en solo. Ils prennent en compte tout. Is that what you want? si ça apporte quelque chose de plus. Il dit que les styles de formation. But I mean, he wants to know the strategy. If it is the same strategy. Same tradition? Yeah, the same manner. The same manner. Strategy? Yeah. I don't know the point. Okay. Merci. What is the point? Strategy. Okay. Préoccupation au sujet de stratégie. Yeah, okay, you're a children's choir. Wow. And they would like to organize such a competition. Yeah. To give rest to the winners. Okay. And for him, the problem is that they don't have to ask anybody to pay anything because it's part of the church. So, what strategy now to put in place instead of asking them to pay a fee for participation? You know, if that's the case, how about set application fee very low, because they need to learn that once they are applied, okay, registered, then they have to go, okay? They have to do their best. So therefore, there is a meaning, okay, of paying just a little bit. Okay. En fait, un des objectifs derrière le fait que les gens donnent, même si c'est un petit montant en termes de frais de participation, c'est pour les engager, en sorte qu'ils sachent, ok, ça c'est une chose à laquelle je me suis inscrit en payant, même si c'est un petit montant, et que je suis tenu aller jusqu'au bout. Je suis tenu à me donner pour faire les entraînements, pour faire les exercices et tout ça, et de pouvoir progresser, pour pouvoir arriver à la compétition. Donc, ça c'est un des objectifs. Alors si c'est juste ouvert comme ça, sans rien, la personne peut s'inscrire, puis demain j'ai d'autres préoccupations, j'abandonne la compétition, je ne vais pas faire autre chose. C'est un peu ça. Donc, have this event, we also we actually, at the beginning of this praise ministry, we never expect that unbelieving
children also join. Donc au tout début de ce ministère, nous attendions pas à ce qu'il y ait une réponse positive de la part des enfants issus des familles non chrétiennes qui viennent aussi s'inscrire. But now we know that, okay, there are some, maybe sometimes, you know, yeah, a few unbelieving churches, okay, maybe like Buddhist children or maybe even Muslim children, they join, okay, they come. Mais finalement, nous sommes rendus compte que les non-chrétiens s'inscrivaient, mais non seulement des non-chrétiens juste anonymes comme ça, mais même des non-chrétiens issus de groupes organisés tels que des lieux de culte bouddhistes ou bien des musulmans viennent s'inscrire. This ministry is not a mercy ministry. Donc ce n'est pas un ministère de compassion pour aider les pauvres. So, we really want to see that people think this as just a music competition. That's good. Donc, nous voulons tout faire pour que les gens ils le voient ça comme étant juste une compétition musicale. Et c'est important. Christians think this is a praise ministry, but not Christians. If they think it is just music event, that's good. Donc, c'est ok pour les chrétiens de voir ça comme une compétition dans le domaine de la louange. Mais pour les non-chrétiens, s'ils peuvent le percevoir uniquement juste comme une compétition musicale, c'est bien aussi. In that way, we want to include many, many people from different backgrounds. Et de cette façon-là, ça nous est avantageux que ça puisse inclure beaucoup de gens d'autres arrières-plans non-chrétiens. So, to make it happen, it is good, it is even better to ask them, okay, just a little bit amount of money as a kind of promise, okay? It is a commitment. Oui, donc pour que cela puisse se passer, c'est important de leur faire voir leur participation comme une sorte d'engagement. But let's say, if you want to just do this for your church only. Mais alors disons que si vous voulez organiser un tel événement uniquement pour les enfants de l'église. Then you don't, I understand, in the church, you know, nobody wants to you know, give money for those things. Then it's possible, but you do in your own church. There is no non, problem. Mais si c'est réellement limité aux enfants de l'église, je peux comprendre que vous disiez que bon, faire des actions, c'est pas nécessaire. Mais à ce moment, vous faites quelque chose vraiment en interne et il n'y a pas de frais de participation et vous savez que ce sont vos enfants qui sont déjà impliqués dans vos chorales et autres qui vont compétir et ça, en fait, ça les stimule à pouvoir travailler davantage pour être meilleurs. Think this. Yeah, how can we make this also a good opportunity for evangelism? Mais c'est important de se dire, mais comment faire de cela une bonne opportunité pour évangéliser les non-chrétiens. Sometimes, you know, if you don't receive any money, then it looks like a church ministry. But if you get some money, just a little bit, then it looks like just normal ministry, normal event. Donc, si on veut impliquer les non-chrétiens, si on leur demande de rien payer, c'est comme si c'est réellement une activité de l'église et qu'on cherche à les attirer. Mais s'ils payent quelque chose, ils peuvent le voir comme si c'est juste une compétition, un festival. Inscrire leurs enfants pour participer à une compétition juste. Okay. Now we want to stop here because it's too long. Parce que c'est we stand trop, together parce and que we c'est sing trop, a song. Même si le frère n'est pas arrivé, on veut quand même arrêter. I thank you for your patience. On va se tenir debout. Merci pour votre patience. And after finishing, you have me still. Okay, you have me still. Après la prière finale, je serai toujours disponible pour the lady actually, you know, wanted me to meet. Okay, I will meet you. Il y a une dame qui voulait me rencontrer. Oui, je peux vous rencontrer. Yeah, so I will still, you know, maybe 5 or 10 minutes, I will be here. Okay. Alors, les 5-10 prochaines minutes après avoir fini, je vais me rendre. What I want to do with you is sing Hallelujah. Ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est de chanter ensemble ce Alléluia. This is the last moment, okay? Et c'est le dernier moment que nous avons ensemble. So Hallelujah, 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 and repeat, okay? Est-ce que le pianiste est à côté? Yeah, if you could play, then it's fine, okay? Et un pianiste qui peut nous aider?
we can begin so without cash, okay? On va commencer à chanter. Si nous pouvons tous nous retrouver devant dans un grand cercle ou bien un grand rectangle.
Dear Father, we thank you for all this. Notre Père, nous te rendons grâce pour tout cela. There is no way to express our thanksgiving enough. Il n'y a aucun moyen pour nous d'exprimer suffisamment notre reconnaissance. Lord, we thank you for all the knowledge we've learned so far. Et nous voulons te remercier pour toutes les choses que nous avons apprises jusque-là. Lord, let us be always reminded of all the Bible verses we've learned. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de tous les versets bibliques que nous avons appris. And let our praise ministry be my old ministry. Et permet, Seigneur, que notre ministère de louange soit méode à ta gloire. And we know that we ourselves alone cannot do this very important ministry. Et nous savons que laisser à nous-mêmes tout seul, nous serons incapables de réaliser ce grand ministère. So we tell you that we are one now. Et nous voulons te dire, te confesser notre unité maintenant. Nous sommes un. Lord, let this unity be very strong. Seigneur, fais que cette unité soit vraiment très forte. So that we could win this spiritual battle. En sorte que nous puissions gagner cette bataille spirituelle. Alléluia. Alléluia. I pray in the beautiful name of Jesus Christ. Et je prie dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Method to greet each other. J'aimerais vous enseigner une méthode très simple de se saluer les uns les autres. So, let me ask you a question. Do you love your neighbors? Mais avant ça, j'ai une question. Aimez-vous votre voisin? Do you want to greet each one? Okay, do you want to greet each one? Do you want to greet each one? Est-ce que vous voulez être prêt à saluer les uns les autres? Then just follow me. Alors, suivez mon exemple. Bienvenido.